Éphésiens 4. Je vous prie donc, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec un souffle patient, vous supportant les uns les autres dans l'amour, étant soigneux de garder l'unité du souffle par le lien de la paix. Un seul corps, un seul souffle, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule confiance, une seule immersion, un seul Elohim, Père de tous, qui est sur tous, parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Messie. C'est pourquoi il dit, étant monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui-même a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres d'annoncer l'évangile, les autres bergers et enseignants. Pour l'équilibre des saints, dans l'œuvre du service, dans l'édification du corps du Messie. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la confiance et de la connaissance du Fils d'Élohim, dans l'état d'un homme parfait, dans la mesure de la parfaite stature du Messie, afin que nous ne soyons plus de très jeunes enfants flottants et emportés ça et là à tout vent d'enseignement par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Mais afin que, suivant la vérité avec l'amour, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, le Messie, duquel tout le corps bien ajusté est serré ensemble par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie pour l'édification de soi-même dans l'amour. On s'arrête au verset 16. Amen.